Grâce au cristal récupéré dans la salle des empreintes, les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer le temps si précieux à la collecte des boyards. Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte cette nouvelle séance du conseil. Je vous rappelle que les candidats qui pénètrent ici n'ont pour seule intention que de récupérer du temps supplémentaire dans la salle du trésor. À vous devrez donc au mieux dans l'intérêt du fort. Ma recommandation ce soir sera claire, messieurs. Jouez et gagnez. Alors ici, ne cherchez pas les pièges, ça sert à rien, il n'y en a pas. Par contre, soyez extrêmement concentrés, vigilants, puisque d'un instant à l'autre, certains d'entre vous vont être appelés pour rencontrer les maîtres des ténèbres et gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor. Et ça, autant vous dire que c'est très important. Passe Muraille, tu vas pouvoir leur remettre le cristal. Allez, Olivier, viens vite nous rejoindre. Billy, prends le cristal, je te laisse l'insérer entre les mains de la statue. Couche-le bien, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte du conseil. Voilà, parfait. Soyez attentifs, l'un d'entre vous va être appelé d'un instant à l'autre. Yes. Je demande Elsa. Je te laisse te casser. Voilà, cale-toi bien dans le fond de la porte. Moi, je peux pas t'accompagner, mais je te retrouve à la sortie. Bonne chance. Salut. Elsa, sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, ton équipe a 3 minutes de temps garanti dans la salle du trésor. Chaque duel gagné ici permet d'avoir 15 secondes de plus. Bonne chance, approche. Merci. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Elsa, le maître et toi avez le même nombre de dominos. À vous de les placer en équilibre instable sur la structure qui se trouve au milieu de vous. Le premier qui fait bien sûr tomber l'ensemble des dominos a perdu le duel. L'ensemble des dominos aura bien sûr perdu ce duel. C'est toi qui commences. Jouer. Je dois le placer comme ça? Non. D'accord. J'ai compris. Voilà. De précipitation. Bien. Bien joué. Tu as pris là un risque important. Ouais, en même temps, je prends les risques partout. Tu peux quitter le conseil, Elsa. Merci d'être venue. Je passe par ici. Par ici. Maître, faites pivoter la porte. Alors, arrête. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est très bête. J'ai raté. Déjà, j'ai pas compris à la base comment il fallait que j'y dispose des dominos. Mais c'est quoi? C'est le maître des ténèbres qui t'a déconcentré? Non, non, c'est-à-dire qu'il me restait plus que deux dominos, donc ouais. C'était vachement serré entre les différentes pièces et je l'ai pas stabilisé. Et c'est pas ah, bon. Ah, j'étais ça, à peu de choses, c'est très très. Je passe à côté de 15 secondes de plus dans la salle du trésor. Vas-y, mets-moi le moral dans non, les non, non, t'inquiète pas, je suis avec toi. Je pense qu'on va avoir, allez, on va dire 45 secondes là, ce serait pas mal. Je demande Olivier.
Salut les copains. Olivier fait un pas. Sois le bienvenu au conseil. Pour le moment, le premier duel n'a pas été gagné. Vous n'avez donc pas de temps supplémentaire dans la salle du trésor. Bonne chance à toi, approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Olivier, voici une feuille de papier pliée à l'identique de celle du maître. Vous l'enflammerez tous les deux à mon signal. Le premier qui soit la fait s'éteindre, soit la fait brûler totalement, le premier aura bien sûr perdu ce duel. Bonne chance à vous, messieurs. Saisissez-vous du papier. Mettez-y le feu. Jouez. Maître, vous avez perdu. Olivier, bravo. Je t'en prie, viens ici, empare-toi de ces 15 secondes. Prends celui-ci et verse-le dans la colonne du temps. Parfait. Tu t'es très bien débrouillé. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil. Maître, faites pivoter la porte. Alors Olivier, comment c'est passé? Génial. C'est vrai? 15 secondes. 15 secondes de plus dans la salle du trésor. Toujours ça de prix. Non. C'était quoi comme épreuve, toi? C'était la feuille de papier. La feuille de papier. C'est le premier qui lâche. Et le maître du temps l'a fait à l'envers et ça fait s'y. Il s'est brûlé les doigts avant toi. Ouais. C'était cool. C'était cool. Super, super. Je demande Emmanuel. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel. Hé, Zé. Emmanuel avance d'un pas. Sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, un duel a été remporté. Peut-être grâce à toi, 15 secondes encore supplémentaires. Approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Emmanuel, voici le duel dit de l'empilage. Vous avez, toi et le maître, le même nombre de pièces de bois. À vous de les superposer les unes aux autres à tour de rôle, jusqu'à temps, bien sûr, que l'édifice ne s'écroule. Celui qui provoquera l'écroulement aura bien sûr perdu le duel. C'est toi qui commence. Aura bien sûr perdu ce duel. Bonne chance à vous deux. Jouez! Oui.
Tu as joué de manière remarquable, mais le maître t'a piégé. Emmanuel, je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Maître, fais pivoter la porte. Emmanuel, dis-moi que ça s'est bien passé. C'est vrai ? J'étais très heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, le dernier m'a piégé, quoi. C'était les enfilades de bois. Aïe ! On a été mis très haut, quoi. Il a eu raison de toi, quoi. Elles sont précieuses, ces secondes, à chaque fois supplémentaires. C'est vraiment ce qui va vous permettre de récolter un max de boyards pour l'association. Non, on a déjà 15 secondes en plus. On a encore une chance, hein, de récupérer encore un peu du temps. Donc, 30, ce serait pas mal. 30, ce serait pas mal. Je demande Billy. Stevie. On est dedans. Allez, Stevie. Allez, Billy. 15 secondes. Ça va marcher. Mes bras, bien les bras le long. Salut, les gars. 15 secondes. Salut, les gars. Ça va. Quelqu'un ? Billy, sois le bienvenu au conseil. Bonjour. Reste là. Jusqu'à présent, un seul duel seulement a été remporté, avec seulement donc 15 secondes supplémentaires sur les 3 minutes garanties. Oui. À toi de faire mieux, approche. Bonjour. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Ah ouais. Billy, voici le duel, puis ciseaux. Et des ciseaux. À mon signal, vous allez vous emparer de ces cartes. Des symboles sur chacune de vos cartes. Le symbole le plus fort l'emportant, bien sûr, sur le symbole le plus faible. Emparez-vous de vos cartes, messieurs. Ceci étant, trois manches gagnantes. Jouez. Ciseaux contre ciseaux, c'est nul. Un point pour le maître. Jouez. La pierre est enveloppée par la feuille. Un point pour le maître. Jouez. Annulé. C'est à toi maintenant. Un point pour chacun d'entre vous. Jouez. Annulé. Jouez. Annulé. Attention, tout va se jouer maintenant. Jouez. La feuille est coupée par le ciseau. Le maître mène 2-0. Jouez. La pierre tombe dans le puits, le maître a gagné. La pierre bouche le puits ? Non, elle tombe dans le puits. Je suis désolé, Billy, mais tu as perdu ce duel. Tu peux donc quitter le conseil. Par ici. Il n'y a pas de roue. Bien. Messieurs, pour une fois, je n'ai pas trop de choses à dire. Vous fûtes plutôt remarquables. Je déclare la séance du conseil close. Bonsoir. Non, je rigole pas, non, je suis désolé. C'est le maître des ténèbres, oui, comme ça, il est pas drôle. 15 secondes en plus grâce à Lincha, c'est pas... C'était quoi l'épreuve? C'était le ciseau qui enveloppe la feuille, le machin, tout ça, voilà. Et alors c'est le hasard. Comment? Oui, chichoui. Ça va être chaud. On récapitule. Vous avez 5 clés, 3 indices, ça c'est pas mal. Par contre, 3 15 dans la salle du trésor, c'est quand même super juste. Donc à vous d'opter pour la bonne stratégie et puis de trouver le mot-code le plus rapidement possible. Je crois en vous, on y va. Dernière ligne droite, on joue en ligne. On va tout déchirer. Allez, 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 allez.